Ça marche, oui, c'est bon. Alors déjà, je vais en profiter pour envoyer justement que le stream a commencé. Je vais pas faire avant parce que il y a plein de changements, c'est chiant. Et du coup, je le fais là. Du coup, hop. Je le kiffe. Et début du stream, hop là, va voir. Et je publie partout. Par contre, je me rends compte, étant donné que, pour expliquer, j'étais littéralement OBS tout court et pas OBS stream, je vais devoir avoir sur le côté, bah, littéralement, tout ce que vous pouvez venir à dire, pour le chat concrètement. Et du coup, bah, je vais dessus. Alors, déjà, vu que de toute façon ce micro-là ne marche pas avec cet ordi-là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on arrive à m'entendre, dans cette bonne qualité. Je vais peut-être alimenter le son du jeu, voilà. Bah voilà, le micro est baissé, et j'ai le chat là. J'en profite pour remercier FN Mystique, qui a follow il y a quelques jours, pour être exact. Et concrètement, bah voilà. C'était un peu galère à tout organiser, j'ai dû faire une mise à jour de Streamlabs. Bah, ça demandait plein de soucis, donc je me suis dit, je vais lancer directement OBS. Ça m'a demandé la clustering que j'ai changé. Bref, le bordel, c'était chiant. De quoi s'énerver, quoi. Et du coup, pour le chat, concrètement, j'ai un truc là pour pouvoir lire le chat. Et vu que c'est un vieux PC, le PC que j'utilise pour streamer, et vieux, ce que j'ai fait, c'est là, vous avez littéralement l'ordi, hein. C'est pour ça qu'avec la webcam, avec la directement, et là où je regarde généralement, et là où je regarderai pour la partie jeu, bah, c'est devant moi là, c'est littéralement là. Là, vous avez une qualité un peu dégueulasse, hein, désolé. J'allais dire bonjour à personne qui a parlé, mais c'est Streamlabs qui. Non, StreamElement, pardon, qui parle et qui dit juste que je stream. Du coup, bah, je reprends les streams. Là, vous avez une qualité vraiment dégueulasse. Je vais un peu m'amuser à à diminuer. Là, vous voyez un peu mieux. Donc, ça, on l'enlève. Bon, en fait, limite pour que ça soit de bonne qualité, il faudrait que ça soit comme ça. Mais, aucun intérêt, quoi, concrètement. Et vous voyez du coup une part plus ou moins mon setup. Bon, pour un peu présenter parce que j'en ai jamais parlé. Le tapis de souris que j'ai depuis quelques jours, c'est un Logitech 840. Littéralement, la boîte est juste là. Hein. C'est un Logitech 840, c'est le tapis XXL de Logitech qui fait littéralement 8 km de long. Hein, pour le dire de manière tout à fait honnête. Enfin, 8 km de long, j'abuse un petit peu. C'est 90 cm sur du 400, donc c'est beaucoup. Le clavier, c'est un Corsair. Je n'ai pas le nom exact, désolé. Ben voilà, c'est un clavier Corsair. Et la souris, c'est une souris. Je n'arrive pas à voir le nom ici. Si je n'ai pas d'erreur dans le nom, je peux me tromper, je précise. C'est une G420. Non, 540, pardon, quelque chose comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et à skinner League of Legends. J'ai jamais encore joué League of Legends, donc pour le moment, c'est juste à skinner. Elle est un peu skinnée, je trouve. Je vais essayer de la montrer un petit peu. Le fil est assez long. Je vais évidemment m'amuser à déplacer tout. On va essayer de bien vous montrer. Du coup, à skinner comme ça, je la trouve assez stylée personnellement. Et la lumière que vous voyez, c'est par rapport à la musique. Quand on entend en fond très légèrement. Et la lumière change en dépend des sons, etc. Et du coup, voilà. Pour le moment, c'est ça. Là, vous voyez mes mangas, vous voyez comme l'ancien décor, même plutôt des mangas short, a vraiment changé. Mais ça, je l'avais dit
dans le dernier point, pour ceux qui n'ont pas vu le point décembre, que le décor allait changer. Bon, vous ne le voyez pas parce qu'il n'est pas dans le champ. Là, il va être là. Voilà, je mets un peu mon bras sur que vous voyez un petit peu. Là, il sera là. Il sera littéralement sur mon bureau, en fait. Oula, Creative Cloud, non, tais-toi. De toute façon, je n'utilise pas sur cet ordi-là, donc ça ne sert à rien que tu demandes à te connecter. Du coup, en vrai, je propose qu'on ne part pas 10 000 ans sur la partie discussion. On va directement. Je n'ai pas mis mon micro, je vais le faire. Rassurez-vous, vous allez juste avoir un micro pour le moment. Normalement, vous m'avez ma voix. Je vais rajouter juste ma tête. Si vous avez quelque chose, vous pouvez faire une capture. Non, pas ça. Ça, normalement, si ça veut bien. Je regarde juste le nom ici. Oui, non, c'est bien celui-là. Donc, Yé n'y comprend pas. Au pire, ce que je peux littéralement juste faire, c'est me foutre là. Ça. Hop. Je vais refaire le bordel. Ça aussi. Je vais le foutre juste là. Là, c'est bien. Et du coup, je propose de commencer à jouer. Hein. Donc, voilà, vous étonnez pas si des fois je regarde là. C'est pour avoir le chat directement. Je vais même un peu déplacer histoire d'être vraiment proche. C'est parti. Alors, j'avais dit que j'allais augmenter ma team et tout ça. Je n'ai pas vraiment joué au jeu pour être honnête. J'ai pas touché depuis un moment. Du coup, je propose de manière assez tranquille de juste. Je suis libre, ça peut être compliqué, je suppose. Je propose juste qu'on s'entraîne un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, tiens, il y a quelqu'un avec un truc de par Noël. Du coup, pour ceux qui n'auraient jamais vu les streams, déjà bienvenue, évidemment. Mais concrètement, j'ai déjà battu une première fois la ligue. Enfin, j'ai déjà fait une partie de l'aventure. Et juste rebattre une seconde fois la ligue, chose que je n'avais pas encore fait. Attends, j'avais pas tilté qu'il y avait les lanternes en papier. C'est parce qu'il y a la nouvelle année chinoise, si je ne dis pas d'erreur. Et concrètement, c'était tout récent et j'imagine qu'il y a eu un événement dans le jeu, j'imagine. Ah non, c'est vrai, je voulais aller à la forêt blanche, mais ce n'est pas possible pour le moment. Du coup, pour Pex, comment est-ce que je peux faire? Allez, laisse droit, moi. Le stream a l'air parfois un peu à jour. Là, je sais pas faire grand-chose. Là, j'essaierai bien. Ce que j'essaierai bien, c'est voir si je sais pas garder la sauvegarde ici pour pouvoir balader concrètement. Mais sur un autre appareil pour voir. Sur un autre appareil plus performant que ce PC-ci. Parce qu'il n'est pas forcément le plus puissant du monde. Je ne fais pas grand chose avec la niveau. Sachant que je suis niveau 57 et que la ligue est à genre 70, niveau 70, quelque chose comme ça va prendre du temps. Ça va être chiant.
Et dans cela, ça peut être utile en vrai. En vrai, j'ai enlevé Coquillam. Comme ça, il garde quand même le stab avec Surf. Et du coup, Tranche et Vendetta deviennent plus forts. Bon, toi aussi, t'es KO, hein. Dernier niveau distance de stream, sachez que là, j'en suis déjà au Lupio. Et le stream, au moment où je parle, vient à peine de le lancer. Là, je viens de lancer l'attaque, il va être KO. Et là, ça va choisir à peine l'attaque. Donc, il y a genre 2 secondes d'écart. Comme 2 secondes à l'homme où j'ai pas exactement compté. Non, ça vous servait. Par contre, c'est peut-être une mauvaise idée de mettre. Attends, t'as quel objet? Une slip. Non. Je vais le mettre en premier. Vu que c'est des Pokémon, des dresseurs type eau, c'est plus utile d'avoir un Pokémon type plante pour les démolir. D'ailleurs, je vois que sur OBS, même quand je parle pas à capture audio, ah oui, je suis désolé si vous entendez du bruit en plus, désolé pour ça, je n'utilise pas le micro de mon casque, qui est pourtant de bien meilleure qualité, mais je sais pas, OBS veut pas, ou alors ça fait pas beaucoup de bruit, c'est chiant. On va mettre le défi, toi. Je sens que le flex va être un peu long. Démonte pas. Ça, je le démonte. Ah oui, il est type vol. C'est vrai, il a le type vol. J'avais zappé cette information. Je savais qu'il était typo, mais j'avais oublié le type vol. Mais c'est parce qu'il a voulu d'une manière assez spécifique, je crois, qui fait qu'il a le type vol. Je sais même plus comment. Je crois qu'il faut un démentable peut-être. Pareil, je me suis fait agresser de partout. C'est un bel qui compte. Crash, bon, ça va pas changer grand chose là. Hein. Soyons honnêtes 2 secondes. Ça a enlevé que la moitié de sa vie. Mais il est bête. Hop, KO. Et peut-être un gagne niveau, tiens. Let's go.
One shot, 2 secondes. Et c'est instant trop tourné à l'ultra star. Bon, Starry, je le démonte. Allez, ça dégage. Il peut pas avoir des fois de mal évoluer, genre Starry niveau 50, au moins il est déjà évolué, Gollis pareil, on a même rencontré un équipant déjà évolué, à moyen, enfin un peu de mal évoluer. Ah bah enfin je gagne beaucoup d'XP. Ah, ça veut dire quand même beaucoup, let's go, je vais avoir beaucoup de XP là. Oh, merde. Ah, chien. On va être vraiment désorganisé pour attaquer. Ton log il fait aval, relâche, aval. Ouais. Pardon. Plaît-il? Je t'en dis que ça. Bon, par contre, notez, il n'y en a aucun qui m'a encore attaqué là. Je vais quand même m'occuper des deux équipements que j'ai déjà commencé à descendre. En vrai, je vais faire un milliard de vampigraines. Comme ça, je gratte des dégâts par un petit feu. Évidemment, on va en faire. Hein. T'en as un qui va spammer que ça en arrière. T'en as un autre qui veut qui spamme que aval aussi. Il y en a qui spamme des gommages, mais tu fais un objet, hein. Je pense qu'il faut un objet pour des dommages. Je vais d'abord faire Vampigraine sur ceux qui ont 100% de vie. Et après je ferai ceux qui sont niveau 41 et 48. De toute façon je pense que à la fin du combat Vendée à l'ordre, je gagne un niveau. Ok, parfait, j'ai touché les 3 qui avaient le max de leur vie. Ah, il fait à dormir.
Non, non, ben là ça va pour nous, enfin. De toute façon, on n'avait pas perdu des masses. J'ai quand même enfin reçu une attaque. Alors, enfin, on reçoit des attaques. C'est quoi du coup l'effet? Je vais lancer mon attaque et de toute façon, le temps que le tour se termine, j'ai le temps d'aller chercher ce que fait des dommages. Les dommages win. Oula, pas win, non. Pokémon. Fantasy, ok. La puissance des dommages dépend de l'objet tenu par l'utilisateur. La capacité échoue si celui-ci ne tient rien ou si certains objets ne se trouvent pas dans la liste ci-dessous. Une fois que l'objet est utilisé hors tour combat ou combat ligne, celui-ci disparaît définitivement. Si l'utilisateur lance une baisse sur sa cible, l'effet de cette baisse s'active. À côté de leur salle, vous voyez, ok. Donc il faut bien l'objet. Mais du coup, l'attaque ne marche qu'une fois. Et après, l'objet disparaît définitivement. Oh le bâtard, il a fait intéresser le sage! Alors comme ça, vous savez, le stream va durer à peu près une heure, comme d'habitude en fait. Et du coup, il y a B qui prend le moteur attaqué. Donc on va être un petit peu long, hein, désolé pour ça. Mais voilà, comme à peu près tout le stream, c'est du chill, on est posé, on est là pour faire du tranquille, un peu grind. Je sais pas très bien prononcer ce mot d'ailleurs. Allez, c'est un B qui prend qui est KO. J'ai essayé de me consoler en me disant ça parce que l'autre enfoiré a fait atterrissage. Hop. Bon, il est clairement pas KO, mais là je fais vraiment pour gratter les attaques parce que j'ai plus beaucoup de PP. Et ça va en faire KO, je pense. Oui. Et niveau 58, je dirais. Bien, c'est bon. Hop, il dégage celui-là. Et je fais un coup critique en plus. Allez, plus que un. Moi, je vais voir arrière la sourcil est KO. Voilà, il lui reste clairement 6% de sa vie. Non, on va les soigner. Bon, je dois aller sur le défense.
J'adore quand je subis un cage éclair. Et surtout quand je suis tellement paralysé que je ne réussis pas à l'attaquer deux fois. Peut-être juste une fois, je sais pas, je regardais un webcam donc. Je sais pas. Allez, one shot, allez. Voilà. Oh, allez, allez, Billy. Voilà, c'est bien, Billy. Krixik. T'aurais pu le faire évoluer au moins, je sais pas. Bon, bah, au revoir, à Jasmine, du coup. Allez, ça dégage. Du coup, bah, on va plutôt Pex que l'ami Good maintenant. Et ça veut bien, évidemment. En vrai, je vais aller revérifier la ligue noir et blanc. Je vais lancer l'attaque et je vais continuer à vérifier du coup. Hop. Ok, ça c'est littéralement tout là. Ok, c'est la seconde fois. C'est niveau 71. 71 pour un Nyx. 73 pour son Pokémon principal. Et du coup, j'imagine que c'est pareil pour les autres, ouais. Et c'est 75 et 7, à 77 pour Guya. Let's go. Let's go. Est-ce que c'est moi ou elle? Elle n'est pas censée être avec elle. Ça bug un petit peu, dis donc. Pozipi et Negapi. J'aime beaucoup ces Pokémon. Je vais peut-être mettre KO. Golem. Ah non, même pas. Bon, par contre, le Fatal Foot là, il pique. Il va piquer. Il m'a pas one shot, mais il m'a pas réalisé donc. Purée, les deux qui réussissent, sérieux? Bon, bah, au revoir, Clamy Good, hein. Merci de t'avoir vu. Au revoir, je me raconte, mais je sais même pas si je veux le garder dans la team. Encore, ça réussit, mais je. Genre la. Attends, mais la précision est combien sur Fatal Fou? C'est un 70 de précision? J'avais pas pensé que ça va autant de précision. Bon, de toute façon, là les deux sont KO à leur voix. Mais je crois que c'est pas de mieux. Ah non, j'en étais sûr.
Attends, tu me restes. Je suis plus rapide, je ne le savais absolument pas. Je vais rien faire, les gars. Mais que dalle. Oui, en même temps, je suis un peu. Le golem, c'est un qui touche sur le physique, l'arrière en spécial. Un PV? Sérieux? Je pensais littéralement le mettre KO, je vois toute la vie partir d'un coup. Bon, par contre, à tous les coups, je passe niveau 57. Là, je le one shot, je vais enfin un one shot. Même pas! C'est moi, il a dit ne te laisse pas transformer par mes Pokémon. Et il a littéralement Magikarp niveau 48 qui est bloqué en Magikarp depuis 28 niveaux. Bon, je suis un coup critique, merci, au revoir. Là, je passe niveau 57, ça. Lander. C'est spécial, ça. Non, je garde. Je garde mes attaques. Ah bah j'aurais dû faire aller repiquer dès le début en fait. Bon, par contre il a vraiment des Magikarp. Niveau 48. Il aurait dû être évolué depuis 28 niveaux. Et c'est là il me sort les vies à niveau 100 le dernier Pokémon. Même pas. C'est vraiment Magikarp, 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 mais Magikarp. Voilà, ça tient gonflotte pour fait. Solar Rock. Je m'attendais pas à voir ce Pokémon ici. Allez, il chien nous mettre mal.
Yes. De toute façon, Free Team vole, donc ça ne touche pas, non? Ah non, on va rien dire. Ah ben non, c'est du feu. C'est des livres. Et là, il est one shot du coup. Ah, j'ai cru niveau 57. Par contre, faut que j'aille les soigner. Je ne sais jamais pourquoi je prends cette intonation. Ça sent le lance sur l'histoire. Oula, il est sur moi. Mais de toute façon, je le mets KO tour suivant, donc son attaque servait à rien. Bon, par contre, me faire agresser au bout d'un peu, c'est connu mieux. Je vais en profiter pour déposer le. Je sais même plus comment ça s'appelle, mais le caraclé. Parce qu'il me sert vraiment à plus d'aller. J'allais soigner, mais quand même, je l'ai déjà fait. J'ai une masse de la soirée ici, donc je vais essayer de gratter un peu, même si je me doute que je vais pas avoir 2000 en plus, ce qui est bien dommage. Je ne sais même pas si mes craquements de doigts se sont entendus. Ça mord ça ou ça va paralyser? Peut-être que ça paralyse. Non, ça mord. Allez, réveille-toi. Ouais, non, mais va te faire foutre, en fait, je vais juste changer de Pokémon. Parce que là, à tous les coups, il va pas du tout se réveiller, il va juste tomber KO.
à la framboise. On passe pas. Bah, il se réveille là. Non, c'est bon. Bon, là, il est KO. En vrai, je pense que là, je démonte tout le monde. Bon, en même temps, on a Spico. De ton Pokémon, il pourrait déjà être évolué deux fois, et celui-là encore une fois. Alors pourquoi? Tes Pokémon sont niveau 48. Les gars, ça peut être intéressant. Je fais plus de FDK quand j'en forçais. Je savais que Essorage, ça pouvait faire plus ou moins de dégâts, mais pas à ce point. Je suis un peu étonné pour être honnête. Bah pareil, ça va faire un milliard de dégâts. Mais il a la Bégo Wave. Je ne la connais absolument pas. Je ne sais pas, je suppose que c'est des PV. J'aurais un V-Citrus. En vrai, je continue de jouer à cette stratégie qui me semble bien marcher. Par contre, je sais pas si la Rainbow pour KO à le faire. Non. Bon, voilà, on s'en fout un peu. Et tout ça en premier pour être honnête. Ah bah il est même pas KO, d'accord. On va voir que j'ai utilisé cet objet là.
Il sert pas à grand chose dans ce combat du coup. Dommage à ce fric. Ça fait démoli. Par contre, le score de 194, c'est rien. Ah, c'est grâce à vous. Mais c'est quoi, j'ai Pokémon pas évolué? Parfois la paralysie, c'est chiant. J'ai eu du mal à lire cette phrase. Je vais essayer de quand même gagner un petit point de vie. Pourquoi c'est des Pokémon qui sont pas évolués? Ils ont presque 50. Ah non mais si je suis une attaque à ma poupée pété, en gros je vais changer. Du coup j'ai quand même bien fait. Bon, je te démolis quand même. Mais qu'est-ce que cette dresseuse fout? Mon Pokémon est. Bah, forcément, je vais one-shot. Même en étant brûlé, c'est des Pokémon qui peuvent évoluer. Et même une attaque pas super efficace, one shot. Des fois, j'aimerais comprendre. Et du coup, bah one shot. Bah évidemment. Et là, je gagnerai un niveau juste après. Sauf si ils mettent KO du coup. Bon bah du coup, je me fais battre par nos Serapis. Bon voilà, il est KO forcément. Je ne sais pas comment devenir plus amie avec mes Pokémon. Bah déjà on commence par les faire évoluer, je sais pas. Et surtout c'est pas comme si elle était dans une zone où il n'y avait pas des Pokémon évolués. Ah tiens, ils ont enlevé la zone. C'est mieux.
Parce que normalement, dans la version originale, il y a une ouverture juste là. C'est dommage qu'elle soit pas. Attends, je me demande s'ils ont laissé le bug ou pas. Bon, s'ils ont enlevé la zone qu'il devait y avoir, j'imagine qu'elles ont enlevé le bug. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma souris, mon clavier, de mon tapis de souris, mais je n'ai pas parlé de mon casque. C'est littéralement un casque Logitech. J'ai plus le numéro exact. La boîte est juste derrière, mais il faudra enlever le rideau et bon, c'est chiant. Non, ils ont prouvé le bug. Ok, c'est une grâce. Je suis en train de dire pourquoi est-ce qu'il a changé. Ah, mais j'avais même pas capté que j'avais perdu plus de vie. Bon, de toute façon, je vais pas le one shot, hein, c'est évident. Je vais sûrement être one shot. Bon, on va envoyer Flamethrower. Bah, t'es KO, t'as de l'orbe. Ok. Niveau 50 du coup. Et t'es KO. En vrai, je vais aller au niveau de la ligue. Je pense que c'est mieux pour avoir des Pokémon à niveau, je pense, d'être proche de la ligue. Je vais encore faire un ou deux combats. Vu que ça va être bientôt à une heure de stream. Ah bah en fait c'est pas vraiment intéressant sur le niveau 40. Bon, on va quand même le back KO. J'ai fait ça pour un peu rien, vu qu'il sait son meilleur niveau en fait.
évidemment toujours entre des Pokémon pas évolués alors qu'ils sont niveau 5-3000. Bon là, du coup, je vais avoir One-Shot tous. Parce que j'ai très mal prononcé ce One-Shot tous. Là, je vais le prononcer. Bon, on a fait Vantardise. Je sais même pas si la Russie. Parce que là, je regardais littéralement mon entrée. Bah, du coup, je vais le regarder dans le retour du stream. Facile, enfin, si, mais vachement retard. Ou alors j'ai juste à regarder là. Bah non, il a raté. Je suis débile, j'ai juste à littéralement, vu qu'il restait un Pokémon, j'avais juste à attendre en fait. Allez, je fais un petit dernier combat. Et après, ça sera la fin du stream. Même pas du chaos. Pas mal, vous voulez. Ah ben, il fait pas feu. Bon, ça va. Ouf. Sûrement one shot. Ouais, vu le coup. D'accord. Ok, enchanté. M'envoler vers un Vagolon ou une Vagolon, c'est-à-dire Vagelon, mais ça ne veut rien dire, c'est surtout une ville avec des vagues. Du coup, bon là, j'apprends à m'agrandir. Voilà, retour d'une image en qualité dégueulasse. Et je vais laisser. Et ça, bah, je vais concrètement. J'ai failli quitter Discord, c'est pas ce que vous voulez faire. C'est ça que j'ai quitté. Voilà. Bon, je vais pas mettre de musique de fond parce que littéralement, vous avez coupé le stream dans même pas 30 secondes, une minute. Du coup, concrètement, bah, merci à vous d'avoir vu ce stream jusqu'au bout. Que vous ayez commenté ou pas commenté, que ça soit sur la chaîne de VOD ou. Peu importe, pas vraiment, bon, ça c'est un peu mal vu. Voilà, le prochain stream. Alors, je ne suis pas certain, je ne vais pas le faire demain soir, comme ça vous savez. Alors, il sera, rassurez-vous, comme ça je ferai le stream que j'ai dit que je ferai, dont celui d'aujourd'hui, littéralement. Du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était de quelqu'un, bonsoir. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Parce que là,
C'est bizarre, on dirait le but. Bonsoir.